Bienvenue dans le 8e round de cette saison de WTCR. Nous embarquons à bord de l'Audi RS3 de Frédéric Verwisch pour découvrir ce tracé du circuit de Twin Rig Motegi, la version la plus longue qui nous attend, 4 800 km. Et après un premier freinage très important, on peut avoir de belles opportunités de dépassement. On s'engage dans la première véritable ligne droite du circuit qui conditionne deux virages à gauche d'environ 90 degrés. Le premier se prend en deuxième, le second en troisième. On réaccélère très très fort pour une ligne droite de longueur équivalente à celle que l'on vient de parcourir. On freine jusqu'en deuxième vitesse pour prendre ce cinquième virage. On passe en dessous du tracé de l'ovale et on engage la remontée vers le 130R, virage qui porte le même nom que celui de Suzuka, sauf qu'ici il est à droite. Les S, gauche et droite. Tout d'abord une entrée en troisième et une sortie en quatrième, et non pas comme on est en train de le voir ici. Le gros freinage vers le virage V, une épingle très serrée en deuxième. Réaccélération pour une ligne droite qui nous conduit vers l'épingle. Cette épingle est très serrée et très importante puisque l'on peut attaquer et se porter rapidement à la hauteur de l'un de ses adversaires. Et ensuite, la downhill straight, la descente. De la sixième, on repasse en seconde pour le 90 degrees corner, le virage à angle droit. On repasse une nouvelle fois sous l'ovale et on va arriver dans la chicane du Victory Corner. Un gauche-droite très technique avec une petite cuvette. Et voilà pour le tour de présentation de ce Twin Rig Motegi. Allez, on quitte la voie des stands. Vous l'avez vu pendant le tour de présentation, un circuit très technique, très très long, très vallonné également. Pas mal de courbes rapides, ce qui n'est pas forcément le point fort de l'Audi. On va voir comment on peut se battre face au chrono dans cette avant-dernière séance de qualification de la saison. Il y aura encore 4 courses dans ce championnat, 2 ici au Japon et 2 à Macao pour la finale. Ça s'annonce déjà chaude. On va voir un peu comment l'Audi se comporte sur cette piste qui devrait lui convenir. Pas mal de courbes rapides, des courbes lentes qui sont un peu moins à son avantage par rapport aux autres voitures. Mais on devrait avoir quelque chose d'intéressant pour cette Audi RS3, dont le classement pour l'instant est plutôt satisfaisant. Hein. On s'en sort bien, on ne sera pas champion. Les Honda étaient trop à leur affaire, alors que là, vous voyez, dans les virages lents, pas mal de problèmes de grippe. On a Frédéric Verwisch, notre équipier qui est derrière. Peut-être même le laisser passer d'ailleurs dans la ligne droite, Fred. Ça nous évitera de le gêner. Si l'Audi est plus rapide, on va laisser le temps à notre équipier de passer. Voilà. Et on va chauffer un petit peu tout ça. Et on va se lancer avec beaucoup d'inquiétude. Je ne suis pas super serein sur ce circuit que j'aime. C'est ça le contraste. C'est notamment cette dernière chicane très importante. Allez, en seconde, on cherche un peu plus de cordes. Gros freinage ici. On est pas mal sorti de cette courbe.
premier chrono tombe actuellement. Beaucoup de concentration pour moi. Essayer de ne pas se louper. Éviter les off-track. Ils peuvent être très nombreux sur un tour ici. Voilà, on passe beaucoup mieux. Cette petite épingle qui était un problème autour de sortie tout à l'heure. Faire un chrono meilleur que celui de Frédéric Verwisch puisqu'on n'est pas loin de lui alors qu'on lui avait laissé un peu d'espace à l'entame du tour chrono. À mon avis, en ligne droite, il est beaucoup plus rapide. Effectivement, on a plus d'appui sur la voiture. On a mis 5 clics sur l'aileron arrière histoire d'avoir beaucoup de compression. Allez, ici on perd un peu de temps dans la descente. Allez, on va faire un tour correct, je crois, pour une première tentative. Pas trop de vibreur, un peu large ici. Ah, c'est dommage, on rate la sortie de la ligne droite et au niveau du chrono. Et bien pour l'instant, on est en 2-0-2-7. Et la grille de départ de cette première course sera donc la suivante. Une nouvelle pole position pour la Seat de Pepe Oriola, l'Espagnol, aux côtés de Tom Coronel. On retrouvera le pilote belge Benjamin Lessen, 3e, James Thompson, 4e. 5e position pour Nathanaël Berton, 1er Audi, Sabot, 6e. Verwisch et Panis, 7 et 8. 9e place pour Müller, 10e place pour la Giulietta de Checon. Et Esteban Guerrieri n'est que 11e. Yann Herlacher, 13e. Nous partons 16e aux côtés d'Aurélien Comte. Gordon Chedden, 20e. Jean-Carl Vernet, 23e. Et dernier, Norbert Michelis. C'est parti pour la première course. Et c'est parti. On roule au Japon, avec le départ de cette première course, on réussit notre envol face à Rabuff, le Britannique. Est-ce qu'on va pouvoir s'infiltrer au milieu du peloton dans le premier freinage? Attention avec Aurélien Comte, contact avec la Golf à l'extérieur. Yann Herlacher qui est un petit peu en difficulté. Attention tout de même à ne pas interférer trop dans la lutte pour le titre. On va tout de même passer le pilote français et le Britannique à l'extérieur. On est bien placé pour l'instant. Le freinage très tardif. Et on est poussé un petit peu encore une fois par Rabuff qui nous emmène hors piste. Il repasse devant et on a une meilleure relance que lui face à Aurélien Comte également. Le Français pris en sandwich une nouvelle fois. L'avantage est à Rabuff à l'intérieur, va pas falloir louper le freinage. Oh, et on peut prendre l'essai sur eux. Et la deuxième Seat du Team Zengo. Ça ne suffira pas à passer Nagy. On est pas mal. Allez, les Audi qui ont leur place dans le top 10 dans cette première partie de tour. Il ne manque quasiment que nous. À l'intérieur, attention, délestage de la voiture qui glisse beaucoup du train avant. Et on parvient finalement à prendre le meilleur sur Nagy. Et on est à l'extérieur ici, en mesure de peut-être aller également prendre le dessus sur Esteban Guerrieri. C'est fait. On se retrouve derrière Checon, 10e position pour nous. Et l'Alpha de l'Italien qui résiste. On va bientôt avoir couvert le premier tour de cette course. 12 minutes au programme et 2 minutes environ au tour. Et Checon devant nous. Hop là, on sort une nouvelle fois un peu large comme en qualification. Mais on a réussi notre envol. On est dans les points. 10e position devant la voiture d'Esteban Guerrieri. 11e derrière Checon sur la Giulietta. Et les Audi devant qui sont en formation serrée. Allez, ce serait bien d'aller les rejoindre là pour former pour la première fois, je crois, de la saison le quatuor au classement.
Et pour cela, il va falloir dépasser la voiture de Kevin Checon, l'Italien. On va tenter l'intérieur. On touche la Giulietta. Est-ce qu'on peut se récupérer? Oui, ça a l'air d'être le cas. On a laissé passer la voiture de Benjamin Lessen ou de Guerrieri? C'est Guerrieri. Sur la deuxième voiture du Holinkel. Ah, Checon qui a bougé un tout petit peu. On était à l'intérieur. On ne s'est pas compris avec l'Italien. On peut continuer. Heureusement, mais je ne suis pas sûr que lui, par contre, ait pu poursuivre. Je n'ai pas vu où il était, j'étais un peu concentré sur la récupération de ma voiture. Ah, il a bougé un tout petit peu au freinage vers l'intérieur, je l'ai pas évalué comme il fallait. Ah, c'est du touring car, ça peut arriver. Allez, le extérieur, ouais, le petit coup de volant de Guerrieri qui se protège. Des points importants pour lui face à son coéquipier et adversaire au championnat, alors que devant, ça pousse. Et on va faire de même sur le pilote argentin. La pression d'Aurélien Panis. Donc là, on s'est complètement loupé. Ça va permettre à Guerrieri de reprendre le meilleur sur la gauche. On va le voir, il est là, juste à côté de nous. On a l'avantage à l'épingle pour freiner à l'intérieur. Et on repasse devant l'Argentin. Allez, les 4 Audi Come to You qui sont à la file indienne. 6, 7, 8 et 9. Avec, si je ne dis pas de bêtises, Nathanaël Berton devant Fred Verwisch et Olivier et Aurélien Panis. Fallait bien que je la fasse une fois cette saison. Le fils d'Olivier qui est juste devant nous. Allez, le Français qui pour l'instant fait une belle course. Il freine beaucoup ici, Aurélien. Et ici aussi. On sort un petit peu esselé. On va toucher le launch control en changeant de rapport, en revenant sur le volant. Attention au freinage, il protège Aurélien et on plonge. Est-ce que ce sera suffisant? Attention tout de même, on est équipier, hein, faut pas oublier. Et il résiste formidablement à l'extérieur, le Français qui va fermer la porte, quasiment deux roues dans l'herbe pour lui. Attention tout de même au freinage ici à l'extérieur. Belle défense d'Aurélien. Et Berton qui a passé la première voiture du Zengo Motorsport. Je pense que c'est Szabo qui a laissé sa place au pilote français. Cette minute encore dans cette épreuve, on n'est pas au bout de nos surprises, je pense. On va pouvoir aller peut-être chercher une position face à notre équipier. On est plus à l'aise dans le troisième partiel que voici. Aurélien qui a l'air d'avoir du sous-virage. On plonge justement à l'intérieur. On ne le touche pas et on passe. Ah, on a bien joué cet enchaînement face à notre équipier. On se retrouve désormais donc derrière Frédéric Verwisch. Alors, qui est en tête de cette course? On va peut-être l'apercevoir dans le fond. C'est toujours Peporiola qui mène devant Coronel, Lessen, Thompson, Szabo, Fred Verwisch. Nous sommes donc derrière notre équipier. On a oublié Berton devant Szabo, évidemment. Et derrière, Aurélien Panis qui est un petit peu largué sur ce coup-là. Il s'était loupé dans le gauche-droite du deuxième partiel. On en a profité. Et l'équipe Come to You qui va encore marquer de gros points. Aspiration de Verwisch. Nouveau tour couvert ici à Motegi. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher notre équipe? Et attention à ne pas prendre trop de risques non plus. Lui-même à la chasse de la première SEAT du team Zengo. À l'équipe hongroise qui se remet bien dans cette deuxième partie de saison. Les SEAT en général reviennent aux avant-postes. Et notamment l'équipe Campos qui se remet de course très difficile avec Oriola et le Français Philippi. Et un peloton très 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 calme pour le moment. Ok, de repasser en première, c'est pas grave. On reste à l'affût sur Frédéric Verwisch. On est pour l'instant 8e, qui sera, je le rappelle, la position de départ dans la deuxième course. Le pilote belge un petit peu ralenti. Est-ce qu'on va lui faire l'extérieur? Ce serait beau d'aller chercher l'intérieur ici sur
sur Fred Vervich et la Seat, évidemment, qui va se faire piéger. Et ça, c'est magnifique. Ah, on l'a bien joué. En loupant mon freinage, je me retrouve à l'extérieur et je laisse passer mon équipier. Et bien voilà, ça s'appelle le travail d'équipe involontaire. Donc la Seat, sur un virage, a perdu deux places. Dommage de devoir passer cette sixième pour 50 mètres. On devrait peut-être plus tirer sur la cinquième. Nouveau tour couvert ici à Motegi, toujours sous le commandement de la Seat de l'Espagnol Oriola, devant le Néerlandais Tom Coronel sur la Honda. Et là, on est encore une fois bien sorti face à Frédéric Vervich. Là, ça va être compliqué pour le pilote belge de résister. On se porte à la hauteur de l'Audi numéro 22. On va freiner à l'intérieur dans le premier virage. Bon, il résiste, il a plus de relance que nous, on est condamné à être à l'intérieur. Est-ce que Vervich va ressortir? Oui, bien mieux que nous, on a un peu loupé notre rapport de boîte, ça lui permet de reprendre l'avantage. Attention parce qu'on joue un jeu très dangereux là entre coéquipiers, et on peut le payer peut-être cher. Allez, gros coup de frein pour Vervich, ça le déstabilise un petit peu. Petit large, mais reste entre les limites de la piste dans cette première course du week-end. On est pour l'instant en train de faire une belle remontée à l'extérieur sur Vervich. Ah, ça aurait été délicat de compléter ce dépassement, on n'avait pas la motricité de toute façon. Formidable manœuvre de défense. Attention parce qu'on sait qu'ici, un peu plus compliqué de défendre dans le S. On peut rapidement... Hop ! Eh ben alors Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a freiné? Ah, ça c'est une catastrophe! Ça c'est une grosse bêtise! Ça c'est une énorme bêtise qui vient de se passer! Pourquoi il a freiné comme ça? Et je le disais à la seconde! Ah là là, Fred! Ah, du coup, il y a un immense gouffre derrière moi. Ah, il a freiné en plein milieu de la courbe, Fred. C'est pas la première fois qu'une Audi me fait ce coup-là. Je suis désolé. Ça, c'est... Je vais pouvoir me faire taper sur les doigts en rentrant au stand. Parce que là, c'est vraiment... Enfin bon, pour avoir suivi le WTCR cette année, c'est pas la première fois que, au sein d'une équipe, il y ait des heurts avec de grosses conséquences. Écoutez, on remonte, hein. Alors, je sais pas, j'espère que Fred a pu continuer quand même. Et là, on est très rapide dans cette toute fin de course. Il reste 1 minute 34. On va entamer le dernier tour de cette épreuve ici à Motegi avant de partir pour la deuxième course. Et on remet ça cette fois-ci avec Nathanaël Berton. Berton qui reste devant. Ah, on fait le ménage, malheureusement, contre notre gré à l'extérieur peut-être sur l'Audi sans complexe pour aller chercher peut-être la position du Français. Pas de top 5 pour nous cette fois-ci. Mais une belle bagarre. J'espère que Fred a pu repartir assez rapidement. Et le pire, c'est que c'est même pas juste mon équipier chez Come2You, c'est mon équipier dans le classement constructeur. Donc là, j'ai fait perdre quelques points utiles à mon équipe. Voilà, c'est ici qu'il donne un coup de frein. Et Berton donne le même coup de frein. Et j'avais pas eu ça au tour précédent. J'y étais pas confronté, ça m'a surpris. D'où ma bêtise avec Vervich. C'est pas très team friendly ce que j'ai fait. Allez, ce dernier tour, est-ce qu'on va réussir à aller chercher Nathanaël qui est un petit peu perdu? Pas mal pour se défendre. Devant, ça va être sans doute une victoire pour le team Campos avec la Seat. Regardez le gouffre derrière moi. On a encore de quoi aller peut-être chercher au freinage l'Audi. Non. Freinage très tardif de Berton. On peut rien faire face à ça. Et
Est-ce que sur la ligne on va pouvoir aller chercher Berton? C'est pas possible! Oh oui, ça passe! Oh, l'arrivée côte à côte avec notre équipier pour aller shipper sa cinquième position. Ah, c'est bien joué! Et au résultat final de cette épreuve, victoire donc de Pepe Oriola, le pilote espagnol sur la Seat du Team Campos. Victoire 100% espagnole du coup sur ce coup-là. Tom Coronel donc deuxième, Benjamin Lessen troisième, quatrième position pour James Thompson. On se place cinquième devant la voiture de Berton, notre équipier Zabo. Septième, malheureusement, je ne vois pas où est actuellement Frédéric Vervich. 10 points, dixième place pardon, et le point qui va avec pour Yvan Muller. Oui, Frédéric Vervich qui va terminer bon dernier, oui, 23e devant Jean-Carles Vernet et Kevin Checon, avec qui on s'est déjà heurté dans cette épreuve. Et bien voilà, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième course de ce meeting, dont la grille de départ est la suivante. Elle correspond au résultat de l'arrivée de la première, avec comme poleman donc Pepe Oriola devant Coronel. Lessen 3ème, Thompson 4ème, on partira aux côtés de Nathanael Berton, va donc poursuivre la bagarre. Muller doit remonter Guerrieri pour l'instant 9ème et Yann Herlacher n'est que 15ème. Attention aux Français de ne pas se faire décrocher face à son coéquipier à l'issue de cette deuxième course. 20ème position pour Benani, 21ème Scheden, 23ème Vervich et Jean-Carles Vernet, 24ème devant Kevin Checon. Les feux rouges s'allument, c'est parti! Départ depuis la cinquième position dans cette deuxième course. L'attaque à l'intérieur tout de suite de Tom Coronel, peut-être. Ce sera de nouveau à l'avantage de la Seat. Et on reste en quatrième, on est très très souple sur ce départ, c'est pas plus mal. Et l'avantage repris une nouvelle fois par Oriola. Hop, on est poussé par Berton. Et on est bien emmené par Nathanael. Ben voilà, ça s'appelle rendre la monnaie de sa pièce. Eh bien, départ difficile. Retour dans le peloton et retour à zéro avec la position qu'on occupait au début du week-end. 14e ici avec Robeuf. On s'est fait bien harponner sur ce coup-là. L'intérieur sur Robeuf. Voilà, remonter. Si on veut des points. Yann Herlacher devant nous, 12ème. Pour l'instant, c'est zéro pointé pour lui ce week-end. Et les Honda qui ont peut-être un petit peu perdu de leur domination avec l'ajustement de la BOP. Hop là, à notre tour de mettre un petit tampon à Nadji. Hop là. Je suis avec Robeuf. Permettre à Ted Bjork de revenir. Le Suédois sur la Hyundai. Gros freinage à l'épingle. On est derrière Yann Herlacher et Guerrieri. Les deux leaders du championnat pour l'instant. C'est zéro pointé pour le team Olinkel. Seul James Thompson sera dans les points. Et on va freiner un peu plus tôt dans ce premier tour. On va plonger. Et on y va. Face aux deux Honda officiels. Ça va être difficile. Hop, et on se loupe pour Yvan Muller. On l'a vu partir à l'extérieur, le pilote alsacien. Drapeau jaune dans le dernier partiel. Muller dehors. Allez, les Hyundai qui perdent un peu pied. Premier tour couvert ici à Motegi. Et on fait l'extérieur dans la ligne droite pour passer devant Yann Herlacher qui s'est loupé. Et dans la dernière relance, on se retrouve derrière la Peugeot d'Aurélien Comte. Oh, pas de tension. Retour de la Honda à l'intérieur qui pousse, qui pousse, qui pousse. Il y a des points maintenant en jeu pour cela. Yann Herlacher, Guerrieri. Pour l'instant, ça tient. On est en sandwich dans les deux camps. Il faut marquer des points chez Olinkel et on ne sait pas qui va en marquer le plus à ce stade-ci de la course. Mais pour l'instant, avantage à Herlacher. Aucun favoritisme de mon côté, je peux vous l'assurer. Ni pour Guerrieri, ni pour le Français. On va justement tenter d'aller l'attaquer, le pilote français à l'intérieur. Dans ce fameux S. Déstabilisé, Guerrieri, on passe devant. Maintenant qu'on a assimilé le comportement des voitures dans ce S, on peut mieux anticiper
un éventuel ralentissement, ce qu'on n'a pas pu faire avec Frédéric Verwisch, ce qu'il a envoyé dans le fond du plateau pour cette deuxième course. Départ 23e pour le pilote belge. Attention, parce que les Audi comme Touyou n'ont pas dit leur dernier mot dans ce championnat. On vise la troisième place au championnat, on est en bagarre actuellement avec DG Sport et Boutsen Gignon, l'équipe allemande et une équipe belge. On a bien l'intention d'y rester sur cette troisième marche, avec devant la reprise de tête de course pour Pepe Auriol, là devant la voiture de Tom Coronel, troisième place toujours pour Benjamin Lessel, le pilote belge qui fait un formidable week-end. Szabo juste derrière, les deux Audi comme Touyou comptent, et nous, allez, bonne sortie nouvelle fois face à la 308 TCR du pilote DG Sport, côte à côte au passage de la ligne. Attention parce qu'il faut bien freiner ici. Comte qui résiste, on donne des grands coups de volant pour réussir à faire tourner cette Audi. On l'emmène à l'extérieur, deux roues dans l'herbe pour le Français sur sa Peugeot qui résiste toujours. Toujours côte à côte. Il va falloir lâcher. Ça semble pas être au programme, ça y est, Comte qui s'est ravisé. Fort heureusement. Et ça klaxonne derrière pour Yann Erlacher. Il veut des points. Oh, attention à Benjamin Lessen qui est passé deuxième devant Tom Coronel. C'est important pour le classement pour l'équipe Boutsen Gignon. Ils s'échangent les positions. On rappelle le team belge qui a pour l'instant deux voitures sur le podium. C'est pas mal. Gros week-end pour eux. Allez, nous on est derrière une nouvelle fois. Aurélien Panis à l'intérieur, là il faut y aller. On tente de garder le pied à fond, on sort un peu large, mais on passe notre coéquipier français. Et l'autre français devant, Nathanaël Berton, qui va aller chercher la voiture de Szabo. Allez, il faut remonter pour les Audi, on n'a pas le choix. Tout se joue dans ces dernières minutes de compétition. Et Berton qui est pas loin, on va essayer de le pousser, Nathanaël. On est à l'aspiration derrière lui. Il faut l'aider. Allez, mon grand. Boum. Et voilà, c'est passé pour Nathanaël Berton avec la petite poussette. Pour l'équipe, ça nous rattrapera peut-être de la bêtise que l'on a faite tout à l'heure sur Frédéric Verwisch. Szabo, le Hongrois, on va tenter de croiser ici. L'Audi qui est parfaitement à l'aise dans cette deuxième course. Et on va aller chercher peut-être la sixième position qu'on nous a enlevée tout à l'heure. Et oui, mon cher Nathanaël, comme quoi pousser c'est une bonne chose, faut juste pousser au bon moment. On rappelle que c'est à cause, suite au contact et au freinage loupé du Français dans le virage dans lequel on arrive ici au premier tour, qu'on s'est retrouvé piégé au-delà du top 10. Mais on remonte bien, sixième position, on fait une grosse grosse course pour l'instant. Et devant ça continue de se battre pour la deuxième position entre Benjamin Lessen, Tom Coronel. Et plus pour la troisième place maintenant avec James Thompson, le Britannique, qui revient du Diable Vauvert. Il était dans le fond du classement en début de saison. Il enchaîne les résultats dans le peloton de tête depuis quelques épreuves. Et sans complexe, le team Olinkel qui doit aller chercher des points aussi. En tout cas, avec leur quasiment double triplé lors du dernier meeting, on peut dire qu'en Chine, les Honda ont fait la loi. Pour l'instant, les trois Audi survivants de l'équipe comme Touyou, on va dire, avec Fred qui a été expulsé du top 10. On s'en sort bien. Allez, sur Berton peut-être. Oh, on est très large. Avantage toujours à l'Audi numéro 23. Le petit camarade a remonté dans le classement. Nous, on est troisième. Je pense pas qu'on puisse aller faire autre chose au classement. On est dans un no man's land au niveau des points. Peut-être perdre cette troisième place, mais il faudrait une catastrophe. Pour l'instant, elle n'a pas lieu et c'est tant mieux. 4 minutes exactement dans cette deuxième course ici à Motegi. À l'extérieur sur Berton qui est assez lent là dans cette entrée de virage. À l'extérieur, il nous touche Nathanaël. Hop là, eh, ça aurait pu être évité mon grand. Ah, quel dommage.
assez teinténueux, hein, Nathanaël, mais tant mieux, ça fait de la bagarre et du spectacle. Peut-être énervé après ce qui s'est passé avec Vervich, on ne sait pas, mais... Donc là, entre pilote Audi, on ne se fait pas de cadeau sur ce meeting. C'est la dernière fois où on peut jouer un petit peu à pouce par choc, puisque du côté de Macao, on ne fera pas les malins, croyez-moi. Il faudra être affûté avec nos voitures pour la faire glisser dans les rues du port de Macao. Ça va être sport cette finale, de quoi finir cette année en beauté. Qui pourrait aller chercher hein, la voiture de Thompson. Il faudrait un petit coup de pouce encore une fois. 2 minutes 45, on est dans l'avant-dernier tour de cette épreuve. Il va rester une boucle après celle-ci. Et il en sera terminé de la 8e manche du championnat du monde de tourisme. Regardez, en restant en 3e, on peut avoir un peu de grippe. Et hop, on plonge. Malheureusement, il faut réussir à compléter le dépassement. C'est pas toujours simple. Et Berton qui se laisse dépasser. Oh, à l'extérieur peut-être sur James Thompson, non. Est-ce qu'on peut... Ah, il est un peu loin peut-être Berton, mais on peut peut-être essayer de se faufiler à l'intérieur. Et d'emmener un peu Thompson au loin, de quoi aider Berton à passer. Ah, on travaille vraiment pour l'équipe là, vraiment. Ah, Berton qui n'a pas pu se faufiler dans cette épingle. Attention à nous, à ne pas nous faire percuter. Changement de leader, c'est le Belge Benjamin Lessens qui prend la tête des opérations avant même le dernier tour devant Pepe Oriola. Changement de leader, c'est une Honda qui reprend la tête. Une Honda du bout de Saint-Gignon. Et on va laisser derrière, comme un grand Berton, se débrouiller. Il n'a pas besoin de nous. Face à la Honda de James Thompson, dernier tour, 1 minute 30 officiellement au chrono de cette deuxième course. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un podium? Parce que là on est assez lent. Et on aura fait une remontée spectaculaire au-delà du top 10. L'Audi qui finalement s'est avéré bien efficace ici. Et Coronel qui défend, peut-être un peu trop d'ailleurs, sa position, ça va lui porter préjudice. On va mieux ressortir de la courbe ici. On est dans l'aspiration et dans le pare-choc, on le pousse hein, Tom. Et on est passé 3e, aucune résistance de la part du Néerlandais, assez surprenant d'ailleurs. Coronel qui nous a quasiment ouvert la porte et dressé le tapis rouge. Et on se retrouve 3e. Eh bien, quelle finale, un petit peu surprise, il faut le dire. Et on va avoir droit à une victoire belge dans ce championnat, une nouvelle avec Benjamin Lessens. Quoique Pepe Oriola n'a pas dit son dernier mot, la Seat va peut-être plonger l'accrochage entre les deux voitures de tête. Et la Seat qui reprend le commandement dans le 3e partiel. Belle bagarre. Alors, est-ce que notre compatriote va souffrir encore une fois? On tente l'extérieur, ça va pas passer. Hein. Sur Lessens, ça c'est... clair. Quel finish ici à Motegi. Trois voitures pour la victoire. Est-ce qu'on peut se mêler vraiment à cette bagarre ou est-ce qu'on fait pour l'instant que de la figuration? Le dernier gros freinage ici à l'extérieur sur Benjamin Lessens. On ne peut pas aller chercher plus que ça. On est prudent. On avait une bonne sortie tout à l'heure face à Lessens, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué sur la ligne. Je crois que Benjamin va finir 2e, oui. Bien, quelle finale, quelle remontée de cette Audi Come To You dans cette 2e épreuve. Ah, on a vu beaucoup de choses se passer en fin de course et c'est finalement un 2e succès pour l'Espagnol. Il n'était pas encore acquis hein, à l'issue de l'avant-dernier tour et finalement on va retrouver dans ce résultat la victoire donc de la Seat. On est 2e du côté de Benjamin Lessens et de l'équipe Bout de Saint-Gignon. 3e place pour notre voiture, 4e Coronel, 5e Nathanaël Berton. Fred Vervich aura gagné une position, il sera 22e de cette épreuve. Esteban Guerrieri, 12e, ne marquera pas de points aujourd'hui. Pepe Oriola, vainqueur au classement général avant la dernière manche de Macao. Voici les unités respectives de chacun des pilotes. La tête pour la Honda du team Olinkel
Motorsport du pilote français Yann Herlacher. Devant Guerrieri, 3 points les séparent. Nous sommes à 131 unités. La plus grande menace sera donc Pep et Oriola avec 116 points. Mais je pense que la SEAT ne sera pas forcément à son avantage. La suite du classement, vous la découvrez avec Coronel, 92 points. Vernet, 89, 82 pour Comte. 74 pour Muller et son adversaire direct. Et ensuite tous les autres. Et bien voilà pour le classement équipe qui s'affiche devant vous. Nous on va se donner rendez-vous pour la finale dans les rues de Macao. Ne manquez sous aucun prétexte cette toute dernière course. Il va y avoir du spectacle je pense. Rendez-vous à Macao. Au revoir.